Alors, donc moi c'est Marceau, j'ai 20 ans, je suis bassiste, clavier et quelquefois l'harmonica, les mandolines, un petit peu les overdubs à faire sur sur certains morceaux. Donc comme on s'est rencontrés avec Lucas, on est un petit peu frères, donc on s'est rencontrés plutôt jeunes, je pense, petite maison de campagne. Avec Alexandre, on s'est rencontrés à l'école primaire. Puis après, on a commencé la guitare ensemble. Ensuite, on a changé fonction. Alex est passé à la batterie, moi à la basse. Lucas est resté à la guitare. Et ça a fait un trio assez solide pour commencer un groupe. Je m'appelle Lucas, j'ai 24 ans, je suis guitariste-chanteur du groupe. Je fais aussi dans le groupe tout ce qui est design et la communication, parce que j'aime bien un peu avoir un contrôle sur un peu toutes les facettes du groupe. Ce qui fait que en général le design, je leur en parle pas trop, je termine mes designs, je fais tout, je leur montre et ils me disent ce qu'ils en pensent. Je m'appelle Alex, j'ai 21 ans, je suis batteur du groupe. Pour ce qui est de l'enregistrement, on essaie de tout faire par nous-mêmes en fait. Je veux dire, on n'a jamais tout enregistré en studio, jamais vraiment pris une journée pour ça. En général, quand je dessine, c'était pas vraiment prévu que je dessine pour les gars ou enfin, que j'ai un rôle vraiment précis dans le groupe. En général, je dessine quand on vient les écouter, quand ils répètent, ou enfin, je trouve ça un petit peu plus inspirant que de dessiner dans le silence. Enfin, je dessine toujours avec de la musique en général, mais avec eux, ça donne vraiment de belles choses. En général, c'est Lucas qui a les idées, enfin, qui me dit un peu ce qu'il veut, ce qu'il aimerait avoir. Après, en général, il partage tous les dessins, les premières esquisses avec les gars. Ils regardent ensemble ce qui va pas, ce qu'ils aimeraient donner en fait. Et après, ils me disent ce qu'il faut changer ou ce qu'il faut pas changer. C'est pas le timbre. Y a pas le timbre. Alors, par rapport à l'album, j'ai documenté, j'ai pris beaucoup de photos et j'ai aussi tourné des plans d'illustration pour le making-of et pour les différents clips. Alors, je fais rarement poser, on a fait quelques séances posées avec les gars, mais en général, au final, ils posent même pas parce qu'ils font les cons et je prends les photos sur le vif. Je fais en sorte d'être discrète pour qu'on ait l'impression qu'il y a une petite souris qui a capté des moments un peu inopportuns. Et voilà, je réfléchis pas vraiment avant de prendre les photos ou de filmer. Et ce qui est le plus important pour moi après, c'est la retouche des photos. J'aime bien rajouter un peu ma patte dessus. Moi, c'est Flavien, donc du coup, j'ai 21 ans depuis peu. Je participe déjà pour donner un avis sur les compos, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est modifiable, qu'est-ce qui me semble pas top ou vraiment top. Je participe au mixage du son, à toute l'installation du matériel lorsque l'on fait des prises son. Du coup, on passe beaucoup de temps à essayer des configurations différentes avec Lucas. Et pareil pour le mixage, on passe beaucoup de temps à essayer différents trucs.